Salut jeune guerrier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du guerrier ectomorphe. Donc je sais pas si t'as déjà essayé de te faire un café protéiné, c'est généralement quelque chose qui nous passe par la tête puisque café égale cool, protéines en poudre égale aide quand on cherche à prendre du muscle et qu'on fait de la musculation, donc le combo des deux ça devrait être un bon combo. Généralement ce qui se passe si t'essayes c'est que tu vas te faire un café, prendre une cuillère de protéines, le mettre dedans, mélanger et tu vas te rendre compte que ça se mélange pas, la texture est pas bonne, le goût est dégueulasse, enfin bref tu vas te dire que c'est une mauvaise idée et tu vas jamais réessayer. Pourtant, le café à la protéine c'est quelque chose de super bon si tu t'y prends bien, il y a juste une petite technique à appliquer et ensuite tu pourras te faire absolument tous les types de café possibles, donc frappuccino, cappuccino, café froid, café latte. Tu pourras un petit peu faire ton café à ta sauce comme toi tu l'aimes, tout en ayant ce petit apport en protéines qui va faire la différence sur ta prise de muscle sur la journée. Donc la recette que je vais te montrer dans cette vidéo, ça va être la recette de mon cold frappuccino. Moi chez moi dehors en ce moment il fait 39 degrés, donc prendre un café chaud le matin, ça me coupe un peu l'appétit pour toute la journée, et c'est assez problématique, donc ça c'est la solution que j'ai trouvée. Tu vas voir que c'est super simple à faire, c'est super bon. Allez on part en cuisine, c'est parti, je te montre tout ça. Donc la première étape, ça va être de se faire un café. Donc moi, le café que j'ai choisi, c'est le café que je fais à la moka pot comme ils appellent ici, c'est à dire que je fais bouillir mon eau avec du café, ça remonte en haut, voilà. Avant je faisais avec du café soluble, ça marche aussi, ou un espresso. Donc ce qu'il faut faire absolument c'est d'abord faire ton café, ensuite tu le mets de côté. Si tu veux te faire un truc chaud tu l'utilises directement, si comme moi tu veux faire un truc froid et tu le mets de côté voire au frigo, t'attends 10 minutes et ensuite tu fais ton mélange. À côté de ça, tu vas prendre un autre récipient. Dans ce récipient, tu vas mettre ta cuillère de protéines avec un tout petit peu d'eau. Et je dis bien un tout petit peu d'eau, c'est important. Tu vas mélanger jusqu'à avoir une pâte uniforme. Il faut généralement mélanger pendant au moins une minute. Le but, c'est d'avoir aucun grumeau à l'intérieur de cette pâte. Et c'est ça le secret pour réussir à faire ton café qui va réussir. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mélanger la petite pâte que tu as obtenue avec le café que tu as fait avant. Et donc ensuite, ton café protéiné est en théorie prêt. Moi ce que j'ai fait c'est que je rajoute du lait sans lactose. C'est ce que j'ai découvert récemment, avant j'utilisais des laits végétales parce que je suis pas mal intolérant au lactose. Tu remplis ça et ensuite mélanger avec un couteau ça suffit. Et si tu as la chance d'avoir un mixeur ou un plongeur à soupe comme moi, tu passes ça au mixeur 30 secondes, tu ressors et là tu as ton truc qui est parfait. Moi j'ai pas de glaçon, donc il est froid mais il est pas super froid. Tu peux rajouter des glaçons si jamais tu le souhaites. Et tu vois que le résultat est nickel avec la petite mousse, le goût est super bon. Moi la protéine que j'ai utilisée ici c'est une protéine chocolat noisette, tu peux utiliser de la protéine vanille, de la protéine chocolat, de la protéine noisette, de la protéine, je pense même que ça passe avec de la protéine beurre de cacahuète. Il y a pas mal de possibilités possibles, donc c'est à toi de faire tes essais pour essayer de trouver le goût que tu préfères. En tout cas avec cette petite technique de faire la pâte là, tu vas voir que ça va se mélanger beaucoup mieux et que ça te fera un café uniforme avec la petite mousse en haut comme on aime. C'est tout pour cette vidéo, essaye de te faire ton café, dis-moi en commentaire la recette que tu as utilisée si jamais tu as kiffé. Tu peux aussi me dire si jamais avant ça tu as fait des crash tests comme moi où tu mélangeais ton café avec ta protéine où ça faisait de la merde, parce que voilà, ça va peut-être démotiver ceux qui auraient l'idée d'essayer ça parce que ça marche absolument pas. Abonne-toi à la chaîne du guerrier ectomorphe si jamais c'est pas fait. Mets-moi un grand pouce de guerrier sous la vidéo. Et puis moi, je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Pouf.